Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors dans cette petite vidéo, je vous amène faire une promenade d'une demi-journée. Promenade que j'ai faite hier. Donc ce qui expliquera que sur les images, je ne suis pas toujours habillé pareil. Alors, cette promenade, elle se trouve en Pays Welsch. Alors qu'est-ce que le Pays Welsch? Le Pays Welsch, c'est un secteur sur le massif des Vosges, bien sûr, sur le versant orinois, donc en Alsace. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce Pays Welsch? Alors, on va dire au niveau de son activité économique, c'est traditionnellement un territoire d'agriculture et d'élevage. On témoigne les nombreuses fermes implantées dans le paysage. Mais c'est surtout au niveau culturel qu'il se démarque dans le secteur, dans la mesure où il est à cheval, donc sur la montagne, c'est clair, mais il est à cheval donc entre deux cultures, la culture romane, la culture germanique, et plus proche donc de notre époque, on va dire une culture à cheval entre l'esprit des Vosgiens et l'esprit des Alsaciens. Donc ça c'est entre guillemets, hein, je ne fais pas de chauvinisme. Alors la particularité donc du Pays Welsch, c'est son dialecte, un dialecte qui n'est pas d'origine germanique mais plutôt d'origine romane. Donc on va trouver un mélange de patois lorrain et un patois alsacien pour un dialecte vosgien. Bien particulier. Alors la raison en est que ces terres donc alsaciennes peut-être étaient donc des terres qui appartenaient au duché de Lorraine naguère. Et, les ducs de Lorraine avaient implanté donc une communauté d'agriculteurs dont la langue était donc d'origine romane. Ils se sont trouvés donc dans un pays à l'administration plutôt germanique. D'où le mélange. Donc là on est à cheval donc culturellement et puis géographiquement sur deux secteurs, le Pays Welsch. On est aussi à cheval sur deux saisons, puisqu'on est en pleine période de giboulées de printemps. Donc les giboulées, c'est cette période de l'année où le printemps et l'hiver se croisent, se saluent, et où le pépère hiver explique au jeune printemps qu'il n'en a pas fini, il n'a pas dit son dernier mot. Et Vlan, prends ça dans tes bourgeons. Vent glacial et chute de neige. Donc c'était surtout le cas hier. Aujourd'hui on sent un petit vent frais. Concrètement pour le randonneur, ça se traduit par une difficulté à trouver la bonne tenue hein, pour s'habiller. Hier j'ai marché donc j'étais en kilt comme à l'habitude, qui est une bonne tenue pour le froid. Aujourd'hui je suis plus classique, pantalon de randonnée et puis petite veste style ONF des années 60, mais qui est une veste qui fait bien le travail. Aujourd'hui il ne tombe pas de neige, j'ai pas besoin de m'abriter donc de l'humidité. Cette petite promenade pour moi donc était faite hier, donc elle est terminée. Pour vous elle commence, donc je vous souhaite une bonne vidéo. Et puis pour commencer, donc vous avez remarqué, on est devant un refuge, la cabane de Saint-Hubert. Alors on teste le poêle à bois, pour qu'il fasse froid, mais j'ai envie de tester un petit peu le matériel, parce que cette cabane, on verra plus tard. Je pense que je vais y passer une nuit, d'ici peu. Elle est très accueillante, mais je dois d'abord tester donc, le système de chauffage. Ce qui me permettra de savoir quel type de sac de couchage je vais prendre, un pour les températures positives ou un pour les températures plus froides. Ça m'aidera à préparer mon matériel. Ça va bien plutôt faire une demi-heure que j'ai allumé le poêle. Il commence à fumer un peu moins. Donc on comptait une bonne demi-heure hein, de préchauffage. J'ai tout ouvert en grand là, sinon c'était respirable. La cabane est petite et ça fumait fort. Alors on est dans la cabane Saint-Hubert, à ne pas confondre avec le refuge Saint-Hubert sur le secteur de Bussan, hein, pas loin de Rougegazon, là on est beaucoup plus au nord. Je vous ai parlé du Pays Welsch. Alors pour vous le situer
Si on prend l'ensemble du massif vosgien, du territoire de Belfort jusqu'à la Moselle, on est plutôt sur une zone centrale. Pour plus de précision, ce paysage est composé donc de 5 communes. Le Bonhomme, Orbey, alors Bonhomme, Orbey, Fréland, Aubure et La Foutroie. Donc ces 5 communes forment le paysage. C'est par exemple pour Orbey, on est pas loin, donc à partir d'Orbey, quand on y passe, on s'approche de Kaisersberg à l'entrée de la route des vins, direction Colmar. Ça, c'était pour vous situer. Alors, la cabane Saint-Hubert, elle se trouve au-dessus du village du Bonhomme et des villages du Bonhomme et d'Aubure. On n'est pas loin du massif du Brézoir que j'ai déjà présenté dans une autre vidéo. C'est une petite cabane bien, bien confortable, hein, mis à part ce problème de fumée. Mais elle est petite, donc tout de suite très conviviale. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, une scie à bûche, un balai, des gants pour manipuler donc le poêle à bois sans se brûler. Puis à l'intérieur, même les 2-3 boîtes de conserve qui restent, du sucre, des filtres à café, une petite cafetière. Il y a ce qu'il faut, il y a même un tire-bouchon là juste en face de moi. Et puis surtout, gros point là derrière, un lit superposé pour dormir. Donc c'est assez rare sur le massif, les refuges. Celui-là, ça doit être mon 128e et je peux vous dire qu'il n'y en a quand même pas beaucoup équipés de couchettes. Donc ça invite tout de suite à passer la nuit, quoi. Il y a un beau petit tas de bois qui a été fait derrière. Alors, pendant que le fourneau préchauffait, j'ai utilisé la scie à bûche et j'ai recoupé du bois pour les suivants. Là, j'essaye de recouper ce que j'ai brûlé. Voilà ce qu'il y a à dire sur Saint-Hubert. Au-dessus, il y a un grenier accessible par une trappe extérieure. Ça doit être très poussiéreux, mais éventuellement, pour y passer une nuit quand on est nombreux. Je ne le conseille pas. Il y a dans le chalet de quoi écrire un petit mot pour laisser son passage. Moi, je laisse ma petite carte, le marcheur et son chien. Et puis j'ai trouvé donc une autre carte, quelqu'un qui apparemment propose des stages. Hein, Randolou Bushcraft. Donc il y a son nom, je ne vais pas le citer. Donc on a sa carte. Randolou Bushcraft, ça doit se trouver sur internet. Hein. Il habite au Bure, le village en dessous, donc il doit bien connaître le secteur. Donc je prends sa carte, on ne sait jamais. Donc Randolou, voilà. Je prends ta carte, j'ai mis les miennes derrière les tiennes. Parce qu'apparemment, toi, c'est une activité peut-être commerciale et moi non. Donc je ne vais pas me mettre au-dessus de toi. À voir ce qu'il fait. Pour venir ici, petit conseil, alors il y a plein de possibilités. Vous pouvez venir depuis la chaume du Heiko, dont j'ai déjà parlé aussi en vidéo. Hier, moi, quand je suis venu sur le secteur, je me suis garé donc au-dessus du village du Bonhomme. Alors j'ai la carte sous les yeux pour ne pas me tromper. J'ai pris le GR532, rectangle jaune, pour le club vosgien. Donc quand on arrive au village du Bonhomme, hein, on n'est pas loin d'une vieille usine, on cherche l'entrée d'une petite route. Balisé rectangle jaune, on va suivre ce rectangle jaune, donc on se gare quand on veut. De toute façon, au bout d'un moment, on ne pourra plus rouler. Et puis, on va traverser la forêt, donc c'est de la montée, ça monte un peu sec même. Et on va arriver à un croisement qui se trouve à 1025 mètres d'altitude. Croisement qui s'appelle Le Plat, donc un croisement intéressant. Il est au pied du Grand Brézoir. D'ailleurs, il propose un petit sentier en zigzag dérivé GR5. Rectangle rouge barré de blanc pour aller sous Grand Brézoir, pardon. Et donc quand on est au plat, à Le Plat, il faut prendre direction la route forestière de la Grande Roche. Donc on n'a pas le droit en voiture, hein, c'est un chemin privé. Et là, on va rapidement devoir quitter le sentier. Alors, le chalet Saint-Hubert n'est pas facile à trouver, hier j'ai tourné en rond. On monte en direction de la Grande Roche et puis à un moment, ce sera sur la droite. On va arriver à un croisement, d'accord? Et puis il y aura plusieurs chemins et il faudra descendre légèrement à droite pour trouver le Saint-Hubert. Alors bon courage pour le trouver, pas évident. Voilà. Il est petit et il n'est pas sur un chemin balisé. C'est pas plus mal, ça lui garantit un peu une vie un peu plus longue, préservée des dégradations. Petite séquence sur le matériel du jour. On peut voir mon tomahawk donc personnalisé à la base un pipe hog de chez Cold Steel. Hein. J'ai fait un tuto, vous pouvez le voir sur ma chaîne, donc vous montrer comment j'ai fait. Et puis à côté, donc un gros plan, mon nouveau couteau d'artisan. J'ai toujours mon ancien que j'apprécie, le Sauteret de chez Daniel Anger. Mais celui-là, donc c'est un Nesmuk, donc un couteau qui n'a pas été dessiné pour moi. Le Nesmuk, c'est déjà des choses qui existaient avant, contrairement au Sauteret. Mon autre couteau, donc. Celui-là, donc c'est un Nesmuk de Lame des Leucs. Ça fait à peu près un an que je suis son blog. Et puis je me suis dit qu'un jour j'achèterai un de ses couteaux. C'est fait.
Pas de revue aujourd'hui sur ce couteau, c'est pas l'objet du jour. Hein. Ah, c'était juste pour vous le montrer comme ça, vite fait. Pour ceux qui connaissent le Nesmux, donc c'est un couteau de trappeur assez polyvalent. Alors, petite visite du chalet. Donc on peut voir qu'on est sur un secteur, sur un chemin, mais je vous le disais, un chemin non balisé. On revient sur le chalet, on peut se rendre compte que ça n'a pas toujours de la forêt, comme souvent. Hein. On voit des murets, on voit les vestiges d'un muret. Je suppose que ça a dû être une zone peut-être de pâturage, sans doute de pâturage. Alors on voit les ruines. Peut-être l'emplacement du... d'un abri de berger. Je pense pas que ce soit relatif à la guerre, sinon ce serait un peu plus bétonné. On peut voir qu'il y a un petit coin pour un barbecue était installé, parce qu'il abrite de la pluie, ce qui est pas idiot. Alors d'ailleurs, on peut voir une grille là, une autre petite derrière, ou quelqu'un qui a oublié sa veste. Donc, du bois à sécher. Là-haut, la trappe. Une jolie petite plaque d'identification du chalet. Donc, quand on arrive, les volets sont fermés, donc je les refermerai en partant. On voit que c'est vraiment une cabane, hein. C'est pas bien grand. Ça se chauffe d'autant plus facilement. On voit que ça fume derrière. Bon, le poêle est un peu mal en point. On va faire bien sûr un tour à l'intérieur. Je connais beaucoup parmi les abonnés, là, enfin certains d'entre vous, qui seraient très heureux d'avoir une cabane comme ça chez eux. Il fait déjà un peu meilleur dans la cabane. On sent la différence avec la température extérieure malgré le fait que tout soit ouvert. Alors voilà, je vous disais, ça c'est génial. C'est la couchette double. Voilà, si à bûche. Une petite table pour écrire ses mémoires. Pas mal de choses pour accrocher ses affaires. Peu de graffiti. Alors là où il y a de la ficelle, il y a du coton pour allumer du feu. Assiette en plastique et carton. Une petite brosse pour faire le ménage. Donc des gants. Une balayette. Donc le fameux petit poêle à bois qu'on a vu tout à l'heure en vidéo. Un banc. Avec... des choses dedans, pour faire la vaisselle, une planche à découper, enfin, c'est un peu cradoc. J'ai pas eu de point d'eau à proximité, mais j'ai pas cherché non plus. Donc on peut voir bougie, la carte de monsieur Rondelou Bushcraft. C'est de faire la fin. Voilà, Rondelou Bushcraft. Puis des étagères avec de nombreuses choses dessus. Un petit fil au-dessus pour étendre son linge ou y accrocher une lampe. Un lampe frontale par exemple, hein, ça s'accroche très bien. C'est tout pour la visite du chalet Saint-Hubert. Je pense que franchement, voilà, là le poêle ne fume plus, je vais fermer. On verra tout à l'heure la température il fait, mais je pense que franchement je vais y passer une nuit assez rapidement. Avis aux volontaires pour venir avec moi. Ça peut être convivial. Et à ce sujet, donc cette vidéo du jour, je la dédie à quelqu'un qui aurait pu peut-être venir aujourd'hui, mais il était très occupé, j'en suis heureux pour lui. Donc Victor de la chaîne Bushcraft Survie, Vic Bushpeur. Donc Vic a pas mal de projets, il vous en parlera sur sa chaîne, j'en suis sûr. En ce moment, il est dans les Vosges, pas très loin de chez moi. Et on va faire ce qu'il faut pour se faire une petite sortie au moins d'une journée. Donc voilà Vic, je te dis ce chalet. Et puis allez faire un tour sur sa chaîne, je mets le lien sur la vidéo.